Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des Sims 3 Super Pouvoir, toujours en compagnie de Will Sheffers, mon loup-garou. Et puis on va continuer un petit peu notre petite vie. Mais vous le voyez, Will est occupé à dormir et à rêver de constellations, de diamants, de voitures de police, et il ne répondra pas au téléphone parce qu'il s'en fout du reste. Là en fait, notre pauvre loup-garou commence à sentir grave mauvais, et surtout en fait il manque d'énergie. Il a été appelé pour travailler en plein dimanche. Et plutôt que de regarder le 3615, et ben il est obligé d'examiner des preuves dans une espèce d'enquête, etc. Donc là, il commence à chmouter grave. Donc on va immédiatement lui faire prendre une douche. Parce que regardez-moi ça là. Il va pas du tout supporter. Il n'aime pas puer. Il est assez maniaque. Donc alors qu'est-ce que c'est ça? Commander une pizza. Ah, il a envie de réaliser ce souhait, à savoir commander une pizza. Donc avant de commander sa pizza, eh bien il va immédiatement nettoyer parce que là ça attire les mouches, une infection. Et ensuite, eh bien il appellera, appeler pour obtenir des services, et il appellera le pizzaïolo pour se manger une bonne pizza. Et comme c'est dimanche, et déjà dimanche soir. Se transformer en loup-garou. 250 points offerts complètement gratuitement. Et nettoyer les plats, pareil. Faire pousser cette fantastique plante. 750. Ah ouais, quand même. Rencontrer une créature surnaturelle, on s'en fout. Hop, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris c'est quoi qui avait disparu. Je m'en fiche. Mémoire de poisson rouge, ne criez pas derrière votre écran, c'est pas grave. Livraison de pizza, appelez. Nous livrerons de votre pizza dès que possible, 250 points gagnés facilement. La vigne, on la fera pas pousser tout de suite. Là, il n'y a pas de facture à payer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt parfait. Pendant que la pizza arrive, ce que tu vas faire... Non, 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 ne mange pas tout de suite. L'hamburger végétarien, tu crois quoi, toi? Cuisine volume 3, tu vas augmenter un petit peu ta compétence pendant que le pizza YOLO, le livreur de pizza, arrive. C'était pas lui, j'espère. Imaginez le foutage de... le foutage de gueule. Ah, oh là! Ah, ça, j'ai cru que c'était l'homme invisible qui allait nous apporter le... Alors, recevoir la pizza. Allez, vas-y. Oui, bah vas-y. Va lui ouvrir. Va lui... Mais dépêche-toi! Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, l'autre. Oh, j'ai eu peur. Voilà, merci. Manger cru, il allait manger son poisson rouge cru, lui. Non, mais n'importe quoi. Je vous jure, un loup-garou, quand ça a faim, ça fait n'importe quoi, quoi. C'est pas possible. Allez, vas-y, mange ta pizza, fais-toi plaisir. Hop. Ah bah oui. Ouh là là. Mais c'est quoi ça? C'est des pépéronis ou bien? Voilà. Imaginez le truc prédécoupé. La pizza prédécoupée, c'est quand même un bonheur ça. Moi je vous dis, la pizza, je la mange pas sans un bon petit sachet d'huile pimentée dessus. Comment ça, on s'en fout? Mais oui, on s'en fout, et alors? Alors. Bon, maintenant il mange ça et puis il va aller se coucher parce que demain, il y a du boulot. Et puis une fois qu'on aura fini de bosser, eh bien on partira peut-être à la chasse aux graines un petit peu. Non, non, ça tu t'en fous, tu rangeras plus tard, tu vas dormir. Pff, ouais, d'accord, ok, il l'a posé par terre, génial. Et respect de l'environnement alors. Allez, on va dormir. De toute façon, l'endroit va être infesté de zombies incessamment sous peu. Enfin, normalement. De quoi est-ce qu'il rêve notre Will? Ça, d'accord. Justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça y est, il a déjà re... Bah... D'accord. 23h. Bah oui, il a dormi toute la journée, donc forcément s'il va se coucher. Bah on va en profiter pour le faire s'amuser. Tu vas jouer à un jeu vidéo, comme ça tu seras content. Il aura toute l'énergie qu'il faut. Il est 23h, il va passer toute la nuit. Toute la nuit à jouer. Et voilà, mais ça c'est ça qui est bien. Voilà, tu fais comme moi, c'est magnifique, parfait.
Tiens, tu vas gagner 250 points gratuitement de bonheur à long terme, tu te transformeras en loup-garou après. Ça me fait plaisir. Voilà, il est parfaitement diverti. Donc là, il va nettoyer sa petite machine, c'est bien. Et puis, tu utiliseras tes toilettes pour soulager la vessie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc déjà, on va le transformer en loup-garou. Comme ça, il gagnera des points complètement gratos. Et enfin, il se retransformera en humain juste à temps. Oh non. Ah bon. Ça va, les toilettes refonctionnent finalement. Ah mince, j'ai supprimé. Oh, quel idiot, j'ai fait une fausse manip. Heureusement, j'ai pas supprimé le souhait à long terme de la transformation en loup-garou. C'est pas un souhait à long terme, c'est un objectif de bonheur à long terme. Voilà, hop. Ça, c'était complètement gratuit. Maintenant, tu te retransformes en humain. Perte de poils à l'appui. Social, je suis pas sûr que d'appeler quelqu'un à 3h du matin, ça augmente sa jauge de sociabilité. Là, tu vas ranger, ça c'est bien. Et puis, tu vas augmenter ta compétence. Alors, on va regarder les compétences. Athlétisme 2, cuisine 7, pêche 4, jardinage 5. Niveau jardinage, ça va, il assure plutôt pas mal. On va le faire lire, en fait. Non, tu t'en fous. Il est parti recycler son truc. Décidément, il est maniaque comme tout. Fertilisant, miam délicieux. On lui avait acheté niveau 3, il me semble. Le bouquin niveau 3 de jardinage. Jardinage volume 2. Bah alors, on l'a acheté? Non. Oh bah écoutez, je suis surpris. Cuisine niveau 3. Ah, j'ai plus rien, dis donc, ouais. Ah, tristesse. Bon, de toute façon, on peut rien lui faire planter, parce que le problème, les zombies, là, c'est que... Puis bon, en même temps, c'est pas l'heure. Allez, hop, retourne dormir, tu seras content d'avoir un peu d'énergie. Parce que là, en fait, pour le moment, je suis un peu bloqué, parce que, bon, il fait un peu sombre, il risque d'y avoir des zombies qui vont popper en fait autour de la maison, donc je peux pas me permettre de faire des plantations tout de suite. Bah sinon c'est juste planter et lui faire faire du jardinage pour rien. Parce que les zombies adorent grignoter les plantes. Ils peuvent même grignoter les pistes aux pois si ceux-ci n'ont pas été suffisamment efficaces pour les éloigner. Du coup je vais pas prendre de risque, ce que je vais faire c'est que je vais l'emmener bosser directement. Manger quelque chose de cru, on peut prendre. En termes de... de bonheur à long terme, j'ai 15 000 points et j'ai acheté la compétence marchandeur à la librairie pour avoir des rabais sur les bouquins. Alors je sais pas si je l'ai montré dans l'épisode, mais suite à un problème technique, en fait j'ai dû... Ah bah il va acheter la pizza. Il jette la pizza. Oh c'est moche. Bon, ranger, il va ranger le bouquin. En fait, il range tout. Ouais, donc du coup, j'ai été un peu contraint de retourner un épisode. Ce qui fait que du coup, bah, soit je me répète, soit j'oublie de dire des trucs. Donc tant pis, je préfère me répéter. J'espère que vous le comprendrez. Raisin multiple, nombre 2, truite arc-en-ciel, efficacité du fertilisant. Envoyer le poisson pour en faire une décoration murale, ça vous... Ouais, d'accord, à 78 simflouz. Il peut manger cru. Ah, on peut lui faire manger un truc cru. Et bah tu sais quoi, tu vas manger un poisson cru. Oh ça va être dégoûtant. Mais ça va être fun. Oh là là mon dieu. Oh pauvre poisson. Oh la tronche qu'il fait. Regardez la tronche du Sims. Oh là là c'est énorme. Ouais bon là encore ça va. Ça va encore. Ah bah en parlant de zombies tiens. Ça sort encore sous terre, il est 7h40. C'est pas une heure pour se lever un petit zombie. Hein. Il devrait avoir honte. Encore, tu veux l'appeler, toi. Tu crois quoi? Il est en train de se divertir. Amusement, hygiène. 7h50. Bon, allez, hop, il est temps de l'emmener bosser. La voiture va apparaître dans 3, 2, 1, 0,5. Voilà. Allez, tu arrêtes et tu vas immédiatement bosser. Voyons voir en quoi il va se transformer. Puis ensuite... Ah bah, oh, bah ça va. Plutôt classe, là. Enfin, classe, plutôt simple.
Il va bosser en tant que brigadier avec des Converse, un jean et un t-shirt. Tout ce qu'il y a de très très simple. Et là, le monsieur, il était venu nous donner... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, le facteur? C'est plein ou quoi? Payer les factures 115. Il paiera plus tard. Notre cime va immédiatement travailler. On va regagner des petits flouflouzes pour augmenter la bourse. Et puis, tu vas travailler dur parce que t'es épanoui, t'as eu un sommeil réparateur et tu t'es beaucoup amusé. Donc, si tu travailles beaucoup, commissariat de police. Oh, tu vas pouvoir demander une augmentation. Je tente le tout pour le tout. Si ça se trouve, je vais me faire virer. Il a bien failli être renvoyé et il a rien eu du tout. Bon, bah tant pis. Il a pas été renvoyé, c'est déjà ça. 156 simflouz de l'heure. 5 heures par jour, à raison de 4 jours dans la semaine. Il est d'humeur exceptionnelle pour travailler, ce qui est vachement bien. Les rapports, eux, sont mauvais, par contre. Le partenaire, il s'entend vachement bien avec. Et en termes d'athlétisme, c'est un délice. Donc ça se passe plutôt pas mal en ce qui concerne son boulot. 779 simflouz pour la journée. On peut pas continuer de demander? Non, on peut. Dommage. J'en veux toujours plus! Je veux des simflouz! Je suis à 3500 simflouz et la voiture traverse l'autre voiture. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Faudrait qu'on aille faire un petit tour en fait du côté d'une boutique. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais prendre ma voiture. Non, tu rentres pas. Là, tu ne rentres pas. Je t'ai dit, tu rentres pas. Et tu vas prendre ta voiture. Non, pas pour travailler. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai perdu. Mais reste pas en plein milieu de la route. Grand bêta. Voiture de police. Ah, il peut s'en servir que pour travailler. Mais la dernière fois, il pouvait y aller, en profiter pour aller faire un peu de shopping. Ça, c'est le boulot. Le champignon vénéneux. La pêche, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vue plan. Voir ma maison. Non, ça, on s'en fiche. C'est les différents lieux que je veux, moi. Lieu communautaire. Ça, c'est la maison. Piste d'essai, au petit restaurant, librairie, corps d'esprit, etc. Ça, c'est pas une boutique. Centre d'affaires et café Van Gool. Affaires Irina, ça c'est pas bon. Société historique et musée de Moonlight Falls, c'est pas mal pour la culture, mais moi ça m'intéresse pas. Se lancer dans la carrière voyance, ça m'intéresse pas non plus. Lieu commun... C'est quoi ça? C'est aller au petit parc. Bah vas-y, va au petit parc. Avec un peu de chance, on trouvera des trucs sympas. Ah bah tiens, oui, on trouve des trucs sympas. Graines de mandragore. Yes, qualité, un délice. Super, une graine de mandragore. Cool. Une plante mystique qui nous servira à faire de bonnes potions. Alors ensuite, si je pouvais trouver quelques petites graines, ça m'arrangerait. Parce qu'ensuite, on va aller au magasin de sorcellerie et on va fabriquer des potions. Oh, je suis désolé, j'ai encore des lags. Je sais pas du tout ce qui cause ce genre de problème. Il n'y a rien qui tourne à côté. Il y a de la puissance sur l'ordi. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Bah dis donc, c'est drôlement vide. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Récupérer. Alors, récupérons. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on va récupérer plein de choses. En intervention? Comment ça en intervention? Tu vas quand même pas aller bosser. Fiche-le-moi, toi! Où il est le sim? Ah, il est là. On s'en fiche de l'intervention. Attends, tu vas pas bosser. Ta journée de travail, elle est finie. Hein. Alors, en petite promenade. Bon, il est parti ramasser ses cailloux ou quoi? Ah, c'est bon. C'est quoi qu'il a été chercher? C'est des cailloux, c'est quoi? Oh, grande roche spatiale, une météorite, 107 simflouz. Cool. Oh, bah dis donc, regardez-moi ça, il y en a partout. Oh, d'autres graines, cool.
Graines de raisin, allez, je prends. Et là. Allez. Graines insolites inconnues. Ok. On continue de ramasser. C'est vrai que c'est plutôt sympa de se balader un petit peu dans les parcs. Oh là, on est près du. Ah d'accord. Ah bah c'est cool, on est près du cimetière. Est-ce qu'il y a des. Buisson à chrysanthème, le problème c'est qu'il est mort. Aïe. Oh le buisson à chrysanthème, il est mort, je suis dégoûté. Qualité parfaite en plus. Je peux rien faire avec. Je peux pas fertiliser ou autre chose. Je sais pas s'il y a moyen de récupérer une plante. Tu peux aller voir. Allez, dépêche-toi avant que les monstres ne pop. Purée, je me crois encore dans Minecraft. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rentrer dans le cimetière? Oh, regardez-moi ça, il y a mon frère jumeau. Regardez-moi ça. Argus Brown. Bon, bah écoute, tant pis, tu vas rentrer chez toi. Et puis, quoique non, quelle heure il est? 18h50. Tu vas pouvoir te rendre dans la boutique quand même. Allez, aux élixirs, vas-y, tu vas passer ta soirée à faire des potions, ça va te faire du bien, tiens. Allez, on y va, on se bouge les fesses. Youp. Et voilà. Allez, ça change, hein. Alors ici c'est quoi? Sortir les poubelles est un bonheur. Se présenter de manière amicale à Soufiant. Ça que... Ah bah bon, pff, tant pis. Supprimer. Lire balade de Balard. Mais on s'en fout! Tiens, allez, hop, préparer un élixir. Parce que j'ai un objectif qui consiste à réaliser, à créer 5 élixirs pour gagner 500 points de bonheur à long terme. Donc, eh ben, on va le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Zombification, sérum de mélancolie, élixir revigorant. Rester éveillé très longtemps, d'accord. Toutes les recettes, recettes bénéfiques. Jarre d'amitié, fiole de félicité, afficher les recettes non apprises. Il y a un truc que j'aimerais savoir. C'est... comment dire? Fiole d'illumination puissante, c'est pas ça. Ce que j'aimerais, c'est voir si je peux créer en fait un élixir qui me permettra eh bien, de ressusciter, non pas de ressusciter, mais de rajeunir en fait. Et ça, je crois que c'est carrément possible. Mais je ne sais plus comment s'appelle cette potion. Élixir de soin, c'est pas ça. Malédiction du loup. Vieillissement instantané, c'est l'inverse. Comme une fontaine de jouvence, sauf que c'est le contraire, moi, bah justement. Élixir fontaine de jouvence. Inverser ce processus naturel grâce à cet élixir. Et donc, il faut que je sois niveau 9. Oh, purée, purée, purée. Niveau 9. Eh bah, tu vas immédiatement améliorer ta compétence en alchimie, mon gars. Parce que là, compétence alchimie, je suis niveau 4. C'est une honte. Oh, bien, t'as même pas toussé. Allez, vas-y, boss. Bah oui, non, je suis bête, j'ai complètement zappé. Flasque... Allez, élixir revigorant. On l'a, ça? Fleur de gueule de loup? Ah non, je l'ai pas. Fiole de félicité. Voilà, créer facile. On va améliorer sa compétence. Regardez-moi ça. Je me demande quel goût ça a, avec tous les trucs qu'il met dedans. Ah, il boit, hein. Et voilà. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait? En train de se balancer. D'accord, il s'amuse à se balancer, c'est parfait. Donc, c'est écrit quoi? Fiole de mettre un élixir en dépôt vente. Vente à la mettre en vente à la boutique d'élixir. Ok, pourquoi pas. J'imagine qu'il faut que j'aille voir la dame pour mettre un truc en dépôt vente. Acheter des produits, présentation amicale. Non. Est-ce que je peux lui acheter des trucs? Des bouquins ou un truc comme ça?
Allez, lève-toi, t'en fous de te balancer là-haut. T'es un grand-père ou quoi? Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci. Option, on va juste diminuer la musique parce que c'est pas possible. Volume d'ambiance, etc. Voilà. On puisse s'entendre un petit peu parce que... Vas-y. Alors, racine de mandragore, valériane rouge, les bases de l'alchimie. Donc mettre en vente. Et jarre d'amitié puissante, fiole de félicité. C'était quoi déjà moi que j'avais fabriqué? Genre j'en ai pas 10 000 hein, des trucs. Ah si je l'avance ça fait 328 quand même. Mais c'est la fiole de félicité il me semble que j'avais ajouté en mise en vente. Jarre d'amitié puissante. Ouais je vais la mettre en vente aussi. Et voilà, j'ai gagné mon bonheur à long terme. Et ça fait plaisir. Ah voilà, bah la musique, vous devez bien l'entendre parce qu'elle reste quand même assez forte. Genre d'amitié puissante. Et je vais mettre en vente aussi. Et voilà. Ah, je suis à 3493. Ouais, bon. On va modifier le volume. Je vais mettre en moyen parce que là, c'est quand même vachement fort. Allez. Bon, toi, tu vas jarter. Parce que moi, je veux faire une autre potion. Allez, dégage! Montre-lui ton insigne de flic, elle va dégager tout de suite. Voilà, allez, Morane. On s'en va. Ah d'accord, tu vas danser avec elle maintenant. Danser ensemble. Ce qui est bien, c'est que c'est pas trop ridicule. C'est la danse appropriée à la musique. Oh bah oui, bah comme vous y allez. Hein? Oh là là. Ouais, poum 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 poum. Vas-y, remue du cul, ce sera bien. Allez, va préparer un élixir au lieu de faire le zouave. Il est minuit et tu bosses demain en plus. En tout cas, par contre, il a amélioré ses relations, donc ça c'est cool. Élixir revigorant. Zombification, sérum de mélancolie. Zombification. On va faire une flasque de sommeil, tant pis. Hop, on va créer. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Hop. Allez, augmente-moi. Yes. Mais tu l'as pas? Oh là, il a la nausée. Faut pas s'éloigner de la... D'accord. C'est quoi le truc? Raison, station d'alchimie. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il a la gerbe. Ok, je comprends mieux. Donc là, il veut profiter du truc pour augmenter son confort. Il s'amuse. Énergie, il est en train de récupérer d'énergie, d'accord. Et en ce qui concerne sa jauge d'humeur, il est totalement ravi. Bon bah écoutez, c'est cool. Allez, rentre à la maison, va, tu seras toujours mieux à la maison dans ton lit. Attaque de zombies, Marigold, laisse-nous tranquille, oh là là. Marigold, moi à chaque fois que je vois Marigold, je pense à Jonah Gold, je sais pas pourquoi. Toute la signification de la préparation d'élixir et il échouera de moins en moins dans leur réalisation. Bah, niveau 5. Alors on va faire le petit point en ce qui concerne... Le point en fait, le point compétence. Niveau 2 en athlétisme, 7 en cuisine, 4 en pêche, 5 en jardinage, 6 en bricolage, 1 en logique, 5 en alchimie. Donc ça c'est cool qu'il se soit amélioré en alchimie parce que bah, l'un de nos objectifs ça va être également de réaliser une potion pour inverser la vieillesse et surtout l'objectif de bonheur à long, de souhait, le souhait à long terme c'est de créer un élixir de soins puissant. Ah monsieur a une grosse envie d'aller aux toilettes apparemment. Ah non il a la gerbe. Oh c'est nul. Oh mon pauvre. Allez va prendre une bonne douche va. Le pauvre, il a préparé des potions. Vous voyez, hein, les potions, ça crève et ça donne la nausée parce que ça pue. À
Allez, hop, toi, tu dors et tu me laisses tranquille. Tu laisses mes plantes tranquilles, je t'ai dit. Alors je sais pas du tout depuis combien de temps je tourne. J'ai lancé le timer, mais j'ai peur en fait de l'avoir démarré, d'avoir coupé la vidéo et de redémarrer. Il mange un poisson cru. Décidément, il va pas mieux. Hein. Bon bah écoutez, je pense que dans l'épisode suivant, on s'attaquera à des plantations. Parce que c'est bien aussi les plantations. Là, je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses. Il a récolté des graines et je pense que parmi ces graines, eh bien, on trouvera des arbres à simflouze. J'espère. J'espère secrètement qu'il y a des arbres à simflouze parce que j'aimerais bien gagner des thunes sans rien faire. Là, pour l'instant, on en a 3500. Monsieur a une bonne situation. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra faire évoluer tout ça prochainement vers l'encore plus positif. J'invente des mots, c'est génial. Allez, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, ce let's play. J'espère qu'il vous plaît toujours autant. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, pour vos commentaires super positifs et d'être si nombreux à me suivre à l'heure actuelle. Presque 1500 abonnés sur la chaîne secondaire. Ça fait super plaisir à voir. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.